question qui tue. Mmh. Êtes-vous optimiste ou pessimiste par rapport à votre avenir, par rapport à l'environnement? Ceux qui sont positifs, vous allez aller côté fenêtre. Ceux qui sont négatifs, côté cadre. Go! Un débat. Un petit débat. OK, OK, c'est bon. Merci, Raphaël. J'ai déjà beaucoup de personnes qui sont instruites là, à faire attention à l'environnement. Fait que je pense que ça va continuer comme ça, puis qu'à un moment donné, on va réussir à beaucoup moins faire de pollution. C'est beau. Je vais avec Maxine. Toi, tu es pessimiste. Pourquoi? Parce que là, les glaciers sont en train de fondre. Fait que si les glaciers fondent, on va se faire inonder. Puis si on est inondé, les arbres vont être inondés, fait qu'ils pousseront plus. Fait que s'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'oxygène. Fait que s'il n'y a plus d'oxygène, on meurt. Parce que là, on dit qu'on n'aura plus d'eau. Mais c'est pas vrai, parce que si les glaciers fondent, on va en avoir de l'eau. La fin du monde va arriver avant que ça réussisse, quasiment. Avec le réchauffement de la planète, moi, je pense que ça va affecter la gravité. La gravité de la planète, elle va grossir. Puis là, ça va attirer les comètes qui passent alentour de la Terre, puis ils vont s'écraser dessus. Ce film est né d'une certaine désespérance. Les scientifiques nous disent qu'il faudrait les ressources de 4 ou 5 planètes comme la nôtre pour permettre à tous les habitants de la Terre de partager le niveau de vie qui s'est développé en Occident. Comment convaincre les grandes masses humaines de renoncer à la société de consommation? Comment inventer un modèle de vie qui soit plus respectueux de l'environnement? Comment surtout proposer une nouvelle image du bonheur? N'y aurait-il que les guerres et les catastrophes pour nous éduquer? Un modeste professeur d'école primaire au Québec, Claude Poudrier, a cru trouver réponse dans l'éducation des enfants. Il s'est fait l'apôtre d'une méthode pédagogique dite de recherche-action qui prétend éveiller la conscience des élèves sur ces questions et surtout les équiper des outils nécessaires pour confronter l'impasse. Nous avons demandé à un enseignant, Dominique Leduc, dans une école tout à fait ordinaire du Québec, la Farandole, à McMasterville, de tenter d'appliquer cette méthode avec ses élèves de 6e. Le projet, là, c'est pas compliqué, c'est qu'on va choisir un élève de la classe et on va le disséquer. OK, c'est bon. Prêt? C'est quoi la science pour vous autres? Ben, quand il y a quelqu'un qui a mélangé du bleu avec du jaune, ça fait du vert. Fait que là, ça a avancé la science. Ça a avancé la science. Ça permet d'expérimenter des choses. Bonne réponse. On va faire une démarche scientifique. On va voir c'est quoi une démarche scientifique. On va sélectionner quelque chose qui nous agace dans notre milieu. Puis on va essayer, par une recherche, action, pour la résolution d'un problème communautaire. Là, vous comprenez absolument rien, on s'en doute. Ouais. Et c'est normal, parce qu'on va l'expliquer. On commence-tu? Ouais. À quoi ça te fait penser le mot environnement? 5 mots-clés. C'est parti. Crayon. Écriture du dimanche, n'est-ce pas? C'est beau? Ouais. Prêt? Ah, c'est dans mon bras, ça va rouler. Moi, je vais remplir ça ici. C'est parti, Camille Chapdelaine. La récupération. La récupération. Steve. La pollution. La pollution. Tibrin. Les ressources naturelles. Oh, tant mieux, c'est bon ça. Les ressources naturelles. Nicolas? Les eaux usées. Oh, c'est bon ça. Eaux usées. C'est quoi l'environnement? C'est juste des animaux? C'est juste de la flore? C'est-tu des... C'est vague? C'est quoi l'environnement? La terre. La terre? C'est tout? Tout ce qui nous entoure. C'est tout ce qui nous entoure. Maintenant qu'on sait c'est quoi l'environnement, on va avoir un autre travail qui va se faire. Ça va être d'observer dans notre environnement
des choses qu'on juge qui sont pas acceptables, des choses qu'on devrait améliorer. On le fera pas aujourd'hui, on va le faire au prochain cours. D'ici ce temps-là, ouvre tes yeux. Que tu prennes la page 5. On suit la démarche scientifique, on suit des étapes bien précises. Et ces étapes-là, ils nous assurent que ça va fonctionner parce qu'on laisse rien au hasard, tout est calculé, tout est pensé. Quelqu'un peut me lire l'étape 1? Marie-Pierre. J'explore mon milieu en notant mes observations positives et négatives dans mon journal. Tu vas partir en équipe de 2 à la recherche de problèmes dans l'école. Là, ce que tu vas observer, c'est des faits. Donc, tu vas te servir de tes yeux pour observer des choses dans l'école. Des fois, c'est des choses qui sont abîmées. Des fois, c'est l'absence de quelque chose. Photo manquant, le poteau de l'aéroport. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Roc à bicycle. En dessous des calorifères de toute l'école, il y a des toiles d'araignée puis c'est tout sale en dessous. Ben, les deux. Moi, j'en ai une, peu importe laquelle. Il y a, au deuxième étage, là, il y a des trous dans les murs. OK. Partout. Dans le bibliothèque, il y avait le tableau à terre. Ah, le tableau à terre hier qui a failli nous tuer. Ben, il y a un échappement de gaz à côté du gymnase. Ça devrait pas être à la portée des enfants. On a plein d'arbres. Plein d'arbres? Ça nous fait des coins d'ombre. Ah, c'est bon. Alors, ton devoir de la semaine prochaine, j'aimerais ça qu'avec tes parents, tu fasses la visite de ton quartier à toi. Où tu vis? Moi, je vis à deux endroits, à Saint-Basile puis à McMaster. C'est McMasterville qui va nous intéresser. OK. Je suis super content de vous avoir. C'est beau? Oui. Puis qu'est-ce que tu penses que ça va donner au bout du problème? Oui. Ben, je pense qu'on va avoir réalisé quelque chose puis que. Les gens qui vont nous voir, ben, ils vont se dire si un enfant est capable de le faire, ben nous aussi on est capable. On se promenait dans le quartier. Puis là, elle arrêtait pas de dire des affaires, mais elle parlait vraiment comme si elle savait tout sur mon projet. Puis là, je fais maman, tu sais pas tout, là. Ben, t'es comme mais oui, je sais tout. C'est fatigant. OK, elle s'est mise experte. Elle s'est mise experte, puis dans le fond, toi, tu te dis c'est à toi l'experte. Mon père, il m'a dit que le ruisseau était stagnant. J'ai dit qu'il a inventé des mots. Mais... c'est quoi ça? Ça veut dire que ça bouge pas. L'eau bouge pas, l'eau, l'eau reste. Il n'y a pas d'écoulement de l'eau. Ouais, le... Et là, il pensait bon, genre, ah, oh, je sais tout. Ben, c'est que moi, ma mère, elle pouvait pas le faire avec moi, parce que ma mère aussi, elle était à l'école, puis elle était prise par ses études, fait que j'étais prendre une marche avec mon chien. Avec ton chien, puis tu l'as fait? Je suis sûr que t'as trouvé plein de choses. Tout ça? Ouais. Excellent. Guillaume, toi? Dans le parc, dans le nouveau développement, j'ai vu des petits caca de chien par terre, puis il y avait du monde qui ramassait pas. On va faire la liste des choses qu'on a trouvées. Et si on a le temps, on va aller visiter ces endroits-là. Ça va-tu? Moi, je pense que pour qu'on se simplifie la vie, c'est moi je dis qu'on devrait peut-être y aller par quartier. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais. Guillaume? Dans le ruisseau, l'eau, elle bouge pas.
Ça prendrait un mot pour ça. Oh! Stagnant. Stagnant. Dans le bois, il y a genre de l'érosion du sol. Oh! Beau mot. C'est mon père. Érosion du sol. Genre, parce que les racines sont genre sorties. Hey, c'est bon ça. En arrière de chez nous, il y a un champ. Mais ils l'ont tout défriché, puis il y a des gens qui creusent, puis qui mettent plein de déchets en dedans, puis qui renterrent. Il y a de l'enfouissement de déchets. Oh! Sandrine? Mais en avant de chez moi, il y a une lumière brisée sur un poteau, puis ça fait longtemps que ça dure. Camille? Ben, on a un beau parc bien équipé. Oui. Puis il manque de policiers le soir. Est-ce que tout le monde a écrit « manque de surveillance policière » On termine avec ça. On voit tout que c'est tout brûlé, ben c'est tout noir. Non, c'est quelqu'un qui s'amuse avec du feu. Attendez, il y a des informations intéressantes là qu'on doit écouter. Donc toi, qu'est-ce qui est arrivé, Alexandra? T'es arrivé une fois, puis... On est arrivé, puis là, il y avait plein de mousse blanche, là, des extincteurs de feu, puis il y en avait ses bancs, puis la bonbonne était derrière. Sur la glissade, là, il y a les graffitis aussi. Ouais. Juste là, ouais. C'est écrit « Fuck la farandole » en rouge. Il y a tellement pas de surveillance. Ils mettent toute la surveillance dans le nouveau développement, puis ils pourraient en mettre, je sais pas, moitié-moitié, ouais, parce qu'on a un beau parc, puis il est tout en train d'être brisé. C'est comment la lumière le soir? Il y a une lumière, puis il y a des ados qui ont lancé des roches dessus, fait que je pense qu'ils... Ça marche. OK. Bon, on a fait le tour, je pense? Ouais. Évidemment, on ne peut pas aller sur toutes les rues, voir les nids de poules de toutes les rues. Moi, je pense qu'on a peut-être le temps de regarder 4 ou 5 endroits maximum. Maman non plus, elle s'est jamais promenée ici, mais j'ai dit qu'il y avait un boisé, puis là, elle a dit « OK, mais vas-y, pas tout seul. » Non? Est-ce que le pont ici est en bonne condition? Non. Pensez-vous qu'il y a des choses qui sont de la nature qui pourraient être améliorées ici? Oui. Moi, je dis qu'on pourrait faire comme un peu plus d'aménagement pour... faire des pique-niques un peu plus touristiques. Plus touristiques. Ouais. Ben, plus aménagé, comme plus beau. Ici, à votre droite, là, c'est les résidences richeloises. Maman m'a déjà dit qu'il y avait eu une usine nucléaire ici. Ouais, c'est contaminé. Ouais, c'est ça. Maman m'a déjà dit que mon grand-père il avait travaillé ici, puis qu'un jour il était en congé, puis ça. Puis je sais pas comment c'est arrivé, mais il y avait du monde mort dans cette usine-là. On sait pas du nucléaire, faut pas mélanger les choses. Mon père travaillait là quand la journée où ça a explosé. Il était là. C'était en 1975, j'avais 6 mois. Regarde ici, la clôture. La clôture monte jusqu'à côté de la gare. Ce terrain-là, c'était le terrain de l'usine. Là, il ne reste plus grand-chose. On va se déplacer puis on va aller voir ce qui reste de cette usine-là. Donc, ça a été une usine extrêmement polluante, ça. Mais on n'a pas nécessairement de preuves. La seule preuve qu'on a, c'est les gros tas de roches qu'on voit qui sont en attente probablement d'être décontaminés. Ils ont tout détruit les bâtiments qu'il y avait. Il y a probablement des renards. Il y a probablement beaucoup d'animaux. Ils disent qu'à peu près 30-40 têtes de chevreuil. Mais il y a un problème, parce que le terrain où est-ce que c'est clôturé, là, me semble que c'est radioactif, là, mais les chevreuils vont pas mourir à cause de ça. Là, on n'est pas au courant de la santé des chevreuils, par exemple. Ça sera à voir. On va prendre notre journal de bord. On va aller voir à l'étape 3. Camille. On identifie des crissières pour le chevreuil. Attends une seconde. Crissières. Moi, je vois un C-A-I-T-E. Critères. Des critères. Pour le choix du problème... Je t'arrête là.
En groupe, on identifie des critères pour le choix du problème. Le problème, c'est celui qu'on va tenter de résoudre. Mais c'est quoi un critère? C'est quoi un critère? Je sais pas, moi. Je l'ai dit, je sais plus rien à partir de maintenant. C'est comme un adjectif. C'est comme un adjectif? Oui. Ben ça dit quelque chose à propos d'une chose. Ça dit quelque chose à propos de quelque chose. À date, on manque de précision. Les critères, c'est, admettons, tu recherches un emploi puis tu te demandes des exigences, certaines exigences. Mettons, si moi, je veux être policier, ils vont sûrement me demander comme critère ça, avoir un très bon visu. C'est quoi la différence entre le bien et le mal. Puis ça, c'est différents critères que j'ai besoin pour être policier. Alexandra, qui ni vu ni connu a été voir dans le dictionnaire. Critères. Caractère, principe qui permet de distinguer une chose d'une autre, d'émettre un jugement, une estimation. Je lis ça. Ça prend toujours deux lectures pour être sûr de bien comprendre. Émettre un jugement, une estimation. Wow! Tchou, le crocodile! Monsieur Dominique, c'est là! Incroyable! Ah, c'est vrai! C'est pas pire, mon imitation du gars de sixième qui cherche dans son dictionnaire. Oui, Nicolas? Ben, c'est quoi des critères? T'es chez Canadian Tire ou t'es chez Bicycle Luard, là? Oui. Puis là, t'as plein de vélos. Faut que t'en choisisses un. Il y a des c'est choses beau. Qui vont faire en sorte que tu vas en choisir un plus si que est beau. S'il est beau. Ensuite? Et ma grandeur? Ta grandeur? Je l'aime. Si tu l'aimes? La qualité. La compagnie. Si vous voulez, vous avez des parents riches, vous autres, normalement, il y a un critère number one de ressortir, là. Avec des suspensions. Donc, pour choisir quelque chose, ben il faut qu'on se donne des critères. Ce que je veux que tu fasses pour la semaine prochaine, un, trouver des critères qui, selon toi, vont faire que ça va nous aider à choisir notre problématique. Ça a de l'air bien facile de dire choisir, mais il faut choisir comme il faut. Puis il y a beaucoup de choses. Sur une feuille de cartable, mon beau Guigui. Un critère, est-ce que c'est comme. Mais est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a besoin pour régler un problème? C'est plus qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on choisit un problème. On parlait pour un vélo. Le prix du vélo, ça, c'est un critère qui fait qu'on va prendre un vélo plus qu'un autre. Tu comprends? Oui. Ça fait 13 ans que j'enseigne. Moi, j'aime beaucoup ça à la farandole parce que c'est près de chez nous, c'est des enfants que je vois, c'est ma communauté, tu sais. J'ai l'impression de travailler pour des enfants de mon coin, puis d'essayer de faire en sorte que ces enfants-là apprécient leur coin, qu'il y ait du plaisir dans leur coin, puis que ça fasse des bons jeunes adultes qui vont s'établir ici. Ah, au fait, encore des six bonhommes québécois! C'est ça. Et ça va plus PLQ Québec. PL. Protestation, non. Je sais-tu, moi? Parti. Ah, Parti loyal québécois. Ben, Québec. Parti ouais. loyal Québec. Ça se peut. Voici le temps de la libération. Bon, ça se peut. On sait jamais. Hein? Le temps de la libération. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est quoi, là? C'est des gens qui sont faits emprisonner par la police ou quoi? Non. Ça me dit rien, moi, en tout cas. Bon. Je vais te faire deux gosses avec fait ça si je pense bien. Ah, ouais, je pensais pas qu'il y en a là. Il y en a là! Hey, il y en a sur tous les petits en dessous! Puis regarde, moi, il y a plein de déchets à terre. Les ouais. personnes viennent manger, puis. C'est dommage, hein, c'est tout là. Mais ça tombe quoi? Hitler, là, c'est pas. Ça, c'est pas nécessairement un bon graffiti de quoi? Paix. C'est la croix des nazis. Puis aussi, il y en a qui viennent faire du pinball ici. Du pinball? Oui, puis il y a plein de balles partout de peinture. Pour vrai? Oui, des fois. Ah oui, je savais pas qu'on pouvait faire du pinball dehors. Et leur peinture en trop rouge, tout ça. Je t'aime, Jessie, I love. C'est des graffitis ouais. qui expriment de l'amour quand même. Hein?
Fait que là, j'ai tout vu ça. Elle est née à 4h49 le 23 octobre. Puis elle pesait 7 livres et 4. Puis là, maintenant, elle pèse 7 livres et 10. Fait qu'elle est déjà totune. Elle me ressemble parce qu'elle n'a pas de cheveux. Ben, belle. Elle est super belle. Elle est plus petite. Justine avait une grosse face ronde. Puis là, Estelle, elle a une petite face. Elle ressemble à une petite rondelle. C'est le fun. Fait que là, ben là, on récupère parce qu'on a été longtemps à pas dormir. Puis là, elle boit à toutes les 3 heures. Fait que ça fait pas des grosses nuits. Puis quand elle se réveille, elle a des bons poumons. Hein. Ça dort bien. Ça dort super bien. Chiales-tu encore tes devoirs ou tu fais tes affaires comme il faut? Qu'est-ce que tu veux dire par chialer? Tu dirais quoi par rapport à l'école? C'est quoi les sentiments que tu as? Ben, des fois, quand c'est dur, là, ben, j'aime pas vraiment ça, être à l'école. Ça se peut-tu que quand c'est dur, tu te décourages facilement? Tu pourrais pas, non, non, on remonte les manques, garde, on va réussir. Monsieur Dominique veut que je fasse une recherche-action, moi, il en faire une. Puis tu t'achètes une machine qui te donne des coups de pied dans le derrière par elle-même? Tu payes sur le piton puis il te donne un coup de pied dans le derrière? Ben, ça va me décourager, ça. Ça va te décourager, ben, un coup de pied dans le derrière? Ben, sûrement, puis... OK, ça... une tape sur l'épaule, là-bas, une petite tape dans le dos? Tu pourrais t'acheter une machine de tape dans le dos? Comme ça, là. C'est beau, Guillaume. Peux-tu que tu réfléchis à des affaires que c'est pas à l'école? Oui. OK, comme? Ben, mes parents un peu, là. OK, à quoi tu réfléchis? Ça va pas bien? Ben, là, ça va mieux, c'est juste... On peut-tu essayer, peut-être? Moi, je te parle d'école. On peut-tu essayer, mettons, de se dire... Quand on va arriver à l'école, on va vraiment se centrer sur l'école. Pendant qu'on va être à l'école, au moins, on pensera pas à nos problèmes familiaux. OK. OK? OK. Promis? Mm-hmm. Moi, ce que je veux, c'est amener les gens à avoir une conscience un petit peu plus communautaire, d'entraide. Je suis beaucoup centré sur les valeurs. Fait que moi, c'est pas vrai, je vais baisser les bras. Tu sais, je vais essayer de conscientiser le plus de jeunes possible, mais pas leur donner de fausses idées que tout est possible. Je veux qu'ils soient critiques, puis qu'ils soient capables de faire le... qu'ils comprennent ce qui se passe à la base, puis qu'après ça, bien, qu'ils puissent faire des choix judicieux. C'est les décideurs de demain, puis je vais essayer de les rendre le plus critiques possible, parce que c'est pas vrai que c'est en écoutant les nouvelles qu'on sait ce qui se passe, là. Ben moi, je veux savoir, qu'est-ce que vous aimeriez régler comme problème? Quelles sont les choses qui vous agacent? Qu'est-ce que vous aimeriez qui change dans votre communauté? Ben, qu'on diminue le vandalisme dans les parcs. Ben, deux choses. La pollution par le bruit sur le bord du train, puis qu'il n'y ait pas de pistes cyclables. Mais arrêtez de couper les arbres inutilement. Comme l'améliorer, genre comme ça serait un vrai parc. Ben, moi, c'est le vandalisme parce que il y en a comme partout du vandalisme. Si on règle le vandalisme, on règle un peu le problème du petit bois. Et moi, je dirais le petit bois parce que ça ressort plus, puis c'est ça qui me marque parce que c'est une grosse partie de Magma Survie. Et si on fait le vandalisme et le petit bois, ben, il n'y aura pas de vandalisme dans le petit bois. Pour ça, ben, le petit bois va rester, puis les autres parcs aussi. Aménager le petit parc, ça va pas être durable. Tu peux pas être toujours là. Faudrait toujours recommencer la même affaire. Puis le vandalisme, personnellement, il y aura tout le temps du monde qui vont faire du vandalisme. Donc ça, pour moi, c'est pas faisable. Est-ce que tu penses qu'on essaie de changer l'état d'esprit ou on s'apitoie plus sur notre sort puis on laisse les choses aller? Je sais. Trouve-moi une problématique que t'aimes, que tu trouves intéressante, puis que tu sais qu'on a des chances de succès dans ce qu'on a retrouvé, dans ce qu'on a pris en a. Ben, vite comme ça, je trouve rien. Même si on fait un gros problème, c'est pas grave, on va avoir essayé puis on va avoir fait de notre mieux. Puis c'est si on fait un gros problème qu'on a une possibilité de réussir, tandis que ça, pour moi, on n'a aucune possibilité de réussir. Parce que toi, t'es pessimiste. Fait même si on prend un gros problème ou un petit problème, tu vas penser qu'on va échouer. Dieu fermé tout le monde. Ceux, levez la main, ceux qui aimeraient avoir comme problématique durant notre recherche action. Le petit boisé. Baissez votre main. Levez la main ceux qui veulent avoir le vandalisme. Levez la main haut.
OK, on peut ouvrir les yeux. Oh my God! J'étais certaine, j'avais dit oui, venez voter pour que ce soit une joke. C'est pas une joke, ça simplifie pas notre histoire. Je trouve qu'on se renvoie un petit peu la balle. Je trouve que les deux problématiques sont un petit peu reliées. Justement, le vandalisme, ça rejoint le boisé. C'est pas le boisé qui rejoint le vandalisme. Parce que si on arrange le boisé puis on n'arrange pas le vandalisme, on va encore vandaliser le boisé. Le vandalisme rejoint pas la faune ni la nature. Juste si c'est dans le petit boisé rejoint la faune et le vandalisme. Alors, yeux fermés tout le monde, technique yeux dans le bras. Et surtout pas technique du toupette qui fait semblant de cacher les yeux mais que t'as les yeux ouverts. Tu lèves la main si la problématique du boisé t'intéresse plus que celle du vandalisme. Ceux qui votent pour le boisé. Baissez la main. Ceux qui pensent que le vandalisme est la problématique à laquelle on doit s'attarder et essayer de régler. Baissez la main. Ouvrez vos yeux. Oh, yeah! Yeah! Hey, c'est ça la poutine italienne? Ouais. Oh, c'est dégueulasse, la poutine italienne. Il y a un poisson dans ma poutine. Est-ce que c'est seulement les graffitis? Non, non. Il va peut-être falloir trouver c'est quoi le vandalisme. Une définition précise pour savoir de quoi on parle. À date, on a surtout dit que c'était des graffitis. Ça peut être quoi d'autre? Amélianne? Défaire des choses qui ont été faites. Briser? Oui. Mais j'ai une petite définition. Vas-y. Quelque chose d'illégal fait par des gens. Ah, ça t'amène à la notion quelque chose d'illégal. Sandrine, définition du vandalisme dans le dictionnaire. Attitude d'une personne qui détruit ou mutile gratuitement des objets qui commettent des déprédations. Déprédation, qu'est-ce que ça veut dire? Vol, pillage, accompagné de destruction. Deuxième, c'est dommage causé au bien d'autrui ou bien public. Est-ce que déprédation pourrait être un synonyme de vandalisme? Oui. Ouais. Bon, vous allez essayer de faire l'étape numéro 5. Je cherche des informations sur le problème qui est le vandalisme. Donc, tu dois avoir des documents sur le vandalisme, les dossiers de presse. Des dossiers de presse, c'est des articles de journaux. Des enquêtes qui ont été faites là-dessus, des interviews peut-être. Des interviews, c'est si on fait venir des personnes. On va leur poser des questions. Et moi, à partir de maintenant, je vais gérer notre projet par équipe. Le vandalisme. Le vandalisme belle, ça va donner vandalisme masterville. Vandalisme belle rive sud. Là, dans l'image, écrit nazi. Oui, oui. C'est une nazi. Wow! Il est là. Ben, on oublie les petits monsieur, là, mais. C'est deux choses que. Tu regardes, c'est des Allemands, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est nazi. Ce sont des jeunes adolescents. Du. Dans le quartier de l'école. Point. On manque un accent, mais c'est pas grave. On pourrait faire un carton avec le diagramme écrit comme ça, avec un autre. Genre, sur le carton, on place les diagrammes. Avez-vous déjà vu du vandalisme? Oh oui, on met ça, ça va super bien paraître. Ça? Non, ça. Ça? C'est comme ça. Ah ouais, si tu marques ça de même, là? Non. Il y aurait ça, 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 ça
cette photo-là. Ça représente pas beaucoup le vandalisme. Mais oui, graffiti, les déchets. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, on va voir après, là, on va consulter toute l'équipe. Yeah. Merci, Tilly. Fait que là, quand la personne a répondu, nous autres, on a un crayon, on coche à côté. Wow! Je comprends rien. Bon, tu fais deux. Mais non, on parle ah! Allons, c'est attends. Vous avez super bien travaillé. Ça a beaucoup avancé. Comme ça, si on est capable avant le temps de Noël d'avoir les questionnaires, mais pendant les fêtes, vous allez être capable, avec votre calendrier, de cibler des endroits où vous allez faire du porte-à-porte. Les gars! C'est pas fort, votre affaire! Oh, vous avez pas de crayon, ça va mal? Comment vous allez faire pour rappeler? Avec ton nez? Puis on aimerait savoir ce que vous pensez du vandalisme dans la ville de McMasterville. Je crois qu'il n'y a pas trop de vandalisme à McMasterville, mais il y en a un petit peu ici dans le parc à l'occasion, puis je pense que okay. C'est déplorable. Est-ce que vous avez déjà été victime de vandalisme? Non, jamais. Le client pour qu'il explique notre projet. OK, parfait. Bien, merci beaucoup. Merci. Bye. Bye. On avait de l'air vraiment bizarre. Je parlais trop, puis là, trop fort. Fait que là, M. Damien qui m'a sorti. Il y avait Guillaume aussi, puis là, Guillaume, il venait tout le temps me voir. Fait que là, je disais, Guillaume, retourne à ta place. Fait que là, il me répondait. Fait que là, j'ai pogné une heure. Mais la plupart du temps, c'est parce que d'habitude, là, c'est quand j'ai pas ma médication que je suis comme ça. Et me faire chicaner puis me faire écœurer, ça, c'est les deux affaires que j'ai le plus. Parce qu'à mon ancienne école, là, des fois, on m'écœurait, mais moi, j'aimais pas trop ça. Puis de toute façon, si je me fais écœurer, ben j'ai juste à aller voir M. Dominique. Qui a déjà fait des niaiseries dans la classe? C'est-à-dire ne pas être respectueux envers le milieu qui nous entoure. Marie, elle a déjà acheté du caca. Non, François. T'as levé ta main, c'était pour parler de ton expérience à toi, c'était pas pour accuser quelqu'un, là. Non, je sais. Si Marie veut en parler, on en parlera, sinon tu tiens ça mort. Andrés? Mais à un moment donné, dans le petit parc, on écrivait des choses parce qu'on a enlevé les affaires des personnes perdues ou des affaires comme ça. Là, on n'arrêtait pas d'écrire des choses sur ça. Il y avait une fille qui nous tapait ses nerfs, fait que là, elle avait écrit quelque chose sur nous, fait qu'on avait... on avait réécrit quelque chose sur elle, puis après ça, ben... Ah, mon père était pas content, fait qu'on a pu recommencer. Chez nous, il y avait comme des roches, puis tout, puis je pichais les roches dans la rue, puis je pichais les roches. Des fois, c'est Charles. Ça va pas exprès, là! J'ai déjà renversé des affaires de récupération, les bacs. Les bacs de récupération. J'ai déjà volé des petits gâteaux dans les boîtes aux lettres. Dans les publics sacs? Bon, on va parler de la maison. Est-ce que ce sont encore les méchants ados qui font ça? Non! Vous savez, les méchants ados, on sait pas de quelle planète qu'ils viennent, mais ils nous envahissent et viennent détruire nos parcs, là. On a peut-être fait des niaiseries, nous autres aussi. Bonjour! On est à l'école à Farandole, puis on fait une
recherche action. Sur une cote de 1 à 10, est-ce que vous trouvez que le boisé il est bien aménagé, il est beau? Il est naturel. Naturel, OK. Fait que vous dites quelle note, 1 à 10? Écoute, c'est un boisé naturel, une cote. Difficile à donner une cote, là, c'est naturel. Puis vous aimez mieux la nature, vraiment. Exact. T'as dit exactement qu'est-ce que c'est qu'il y en est. Si la nature, tu peux pas... La nature, c'est beau quand tu laisses ça de même, tu sais. Est-ce que vous avez déjà vu du vandalisme? Ou comme des tutaques? Il y aura toujours du vandalisme, on peut pas rien faire contre ça. Là. C'est les gens, c'est la société qu'il faudrait changer, mais on peut pas. Ben, on va essayer, nous, c'est ça. On va essayer, ça, c'est ça. Tout le monde essaie, on essaie ça. On essaie ici, au moins. OK, ouais, ça, c'est bien. Puis, que tu as eu combien de réponses? Environ 15, environ. Moi, la question qui m'a plus épatée, c'est avez-vous déjà été victime de vandalisme? 50 % des personnes nous ont répondu oui. La moitié des domiciles où tu as été ont été victimes de vandalisme. Oui. Puis, il y en a un qui nous a vraiment dit un commentaire pertinent. C'était il manquait vraiment d'activité à faire, là. Ça a quand même bien été. J'avais frette, mais ça a quand même très bien été. C'est un jeune que je connaissais. Puis là, à un moment donné, je dis hey, toi, t'en fais-tu du vandalisme? Je lui ai shooté ça de même. Il m'a dit ouais. Je dis quelle sorte? Tu fais-tu du gros genre graffiti? Il disait non, je fais juste péter des vitres de char. Bonjour. Bonjour, j'aimerais parler au maire, s'il vous plaît. Je m'appelle Steve Desjardins, c'est pour notre projet de recherche-action pour résoudre un problème communautaire à l'école La Farandole. Vous m'avez dit que vous êtes Steve? Oui, Steve Desjardins. Desjardins pour le projet à l'école La Farandole? Oui. Juste un petit moment, s'il vous plaît. Quelque chose qui va pas? Ça va bien, ça va bien. Garde ton sérieux. Prendra en note. Justin, bonjour. Bonjour. Je suis Steve Desjardins de l'école La Farandole. C'est pour la recherche action. Oui, Monsieur Desjardins de La Farandole. Oui. Que puis-je faire pour vous? Nous aimerions savoir, moi et ma classe, est-ce que vous seriez libre entre janvier et février, un jeudi, si possible, pour venir nous rencontrer? Ce serait savoir pour les budgets et, pour, en gros, pour le vandalisme. Ouais, un petit peu, là. En avant-midi, je crois, hein? Ouais, en avant-midi ou en après-midi. Ah ouais, OK. Regarde, jeudi... Le 22, ça, c'est jeudi prochain. Ouais, vous seriez libre? Je serais libre en AM. Non! J'ai confiance en toi. Pas moi! T'es prête? Je peux pas, non! Tu laisses tomber la... Le rappel ne peut pas être acheminé. Dominique, je suis sérieux. Mais je veux là, pas tu le t'es faire. Préparé, tu t'es engagé à le faire. Puis si on voit que ça marche vraiment pas, là, inquiète-toi pas, on va t'aider. Non, mais ça me tente vraiment pas de le faire. Pourquoi, à ce moment-là, tu as levé ta main quand c'était le temps de décider qui allait le faire? Non, mais... C'est parce que... Oh... Ça s'explique mal. Ça s'explique mal? T'as mieux laissé tomber? Sais-tu... T'as le trac? C'est correct, le trac? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut le faire? Ben, Alex, je te le laisse, puis... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut le faire? Moi, je non. Tu veux-tu le faire, toi, Sandrine? Ouais. Ben, pas vraiment, parce que... Oh. Toi, Tibrin, veux-tu le faire? Ben, Tibrin... Moi, j'aurais voulu, mais c'est parce que... C'est la responsabilité de Dominique. C'est un et ça aussi, je connais même pas le texte, de toute manière. OK. Allez, donc, on y va? Non! Ça me tente pas! Ben moi, je vais mettre la main libre, fait que ça va répondre. Non, je m'en vais. Bon. Oui, bonjour.
Monsieur Desjardins. Oui. Enchanté, Monsieur Plan. Allô? Salut. Ça va bien? Bonjour. Bonjour. J'aimerais ça que les citoyens de McMaster fassent la même chose. Je vais laisser la parole à Guillaume. Ici, c'est l'ordre du jour, comme vous pouvez le voir. OK? Ça, c'est à peu près le plan de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Votre plan de travail. Oui, présentation. OK. Mm-hmm. OK. Là, à l'intérieur du cahier, il y a un résumé des questions qu'on va poser. Si vous n'avez pas la réponse à tout, ben vous pourrez y répondre en temps et lieu. OK. OK. Mais là, je vous laisse ça. Puis... Bien, merci beaucoup. Puis je vais essayer de répondre subito presto, c'est bien sûr. Oh boy. Vous pouvez vous asseoir, on vous a préparé. Oh boy. C'est assez solide, je l'ai testé. On dit, trop c'est comme passé, là. Je suis gâté en titi. Si tu passes, je vais être sur la salette longtemps, là, ou quoi? Oui. Ouais. Ah oui? Que faites-vous dans votre programme pour aider la ville face au vandalisme? On essaie autant que possible. En tout cas, la politique du conseil municipal, avant tout, c'est la sensibilisation. On est absolument contre la répression parce que je pense qu'on ne réglera pas le problème. Puis après ça, ben quand ça se fait, autant que possible, quand on le sait, on fait les réparations nécessaires, que ce soit du vandalisme par graffiti. Vous remarquerez qu'il n'y a pas tant que ça du graffiti dans la ville parce que aussitôt qu'on s'en aperçoit, on les élimine. Ça, c'est clair. C'est quoi les raisons ou les causes que le vandalisme s'est fait, selon vous? Je pense que c'est de la frustration. Tu sais, parce que ça apporte rien, ça, le vandalisme. Tout ce que ça apporte, c'est des coups, puis je pense que vous allez en parler tantôt. Puis en bout de ligne, ben c'est toutes et tous vos parents qui payent pour. Parce que c'est bien sûr, c'est la taxe municipale qui va augmenter. Il manque tout de bien aussi d'activités pour nos jeunes. Fait que vu qu'ils n'ont pas trop d'activités, bien, faut qu'ils se défoulent ailleurs. C'est l'impression que j'ai, tout simplement. Bien, la ville, est-ce qu'elle a déjà donné des sous pour tous les parcs de McMasterville à cause du vandalisme? Si oui, mais combien de dollars? Oui. C'est pour ça que je me suis préparé, moi aussi, hein, un petit peu, parce que... juste entre autres, l'été dernier, on a brisé deux fenêtres dans l'hôtel de ville. Mais ces deux vitres-là, ça a coûté exactement 600 $ chacune. Puis je vais aller bien plus loin que ça. Savez-vous comment ça peut coûter à une municipalité le feu dans une poubelle? Non. Juste pour le fun. 300 $ Ça peut aller jusqu'à 1000 $ On parle de feu dans une poubelle. Peu importe le feu, fausse alarme, peu importe, c'est 3 heures, minimum 5 pompiers. Donc c'est 15 heures, mettez-les à 20 $ tout de suite là, ça va vous donner une idée. Plus le temps du camion. Il y a des graffitis aussi. Nettoyage pour le graffiti, ben c'est 100 $ à chaque fois. Bien, ça dépend du graffiti. Croyez-vous que le vandalisme est une vraie problématique maintenant sur le... Non. Je vais être honnête avec vous autres, là. Je connais des places dans des villes environnantes. Je vous dis pas que j'approuve, là. C'est pas ça. Mais c'est pas majeur chez nous. Puis on en est fiers. Puis ça, c'est grâce à vous autres, là. C'est sûr. Peut-être que vous êtes plus sensibilisés, puis la preuve est là. Vous me convoquez ici pour ça ce matin. C'est parce que vous êtes plus sensibilisés probablement qu'ailleurs, puis c'est pas parce que vous êtes plus intelligent que je le suis, mais par contre, vous êtes plus débrouillard, ça, je suis convaincu. Hein? Avez-vous reçu des plaintes concernant le vandalisme? Je dirais, encore là, c'est pas majeur, mais une vingtaine peut-être. Voilà. Parfait. Toute la classe, on voudrait vous remercier d'être notre partenaire, puis en même temps d'être notre ressource, puis on attend vite de vos nouvelles. Bien, merci beaucoup. Merci. Bye, Kristen. Il est vraiment très généreux. Il vient ici, justement, il déplace deux réunions pour nous. Il trouve le projet très important, puis il est pas du genre à dire « Ah non, c'est pas important, il s'implique. » Il est franc. Il est franc? Il dit tout ce qu'il pense, puis il dit... Mais il cache pas les choses, comme il a pas caché les chiffres, il a pas caché qu'est-ce qui se passait. De donner beaucoup d'informations utiles pour continuer notre projet.
Ben, ce qui avait de bizarre, c'est qu'on essaie de régler un problème en disant que nous, on en a plein, qu'on a trop de vandalisme dans la ville puis qu'on veut tout les régler. Fait que là, on arrive au maire, puis il arrive, il dit non, on en a pas beaucoup comparé aux autres villes. Fait que là, je me sentais comme... OK. Il y en a pas, allô, allô, comment ça va? Oui, oui. Toi, c'est Alexandra? Non, c'est Alexandra. Et toi, moi, c'est Germain. Allô. Allô, moi, c'est Nathalie. Dominique, salut. Salut. Fait qu'on est rendu à votre école, là. On s'en vient vous voir ce matin. La classe est par là. OK, on vous suit. Quels sont les actes de vandalisme qui reviennent le plus souvent à McMasterville? Au niveau des méfaits de plus de 5 000, donc les dommages qui ont été causés sur les véhicules qui engendraient des coûts de plus de 5 000 $ on n'en a aucun, c'est zéro. Ouais. Des graffitis, est-ce que vous avez une idée à peu près comment il peut en avoir dans McMaster qui ont été, mettons, on parle de rapporter au service de police? 15. Une quinzaine? Une cinquantaine. OK. Toi? Une trentaine. OK. Toi, Nadia? Une vingtaine. Une vingtaine, écoutez. Moi aussi, j'ai été surpris. C'est deux. Mais c'est difficile, il faut nuancer, parce qu'il y a plein de monde peut-être qui vivent du vandalisme, soit sur leur maison ou leur bâtiment, mais qui portent pas plainte ou qui en parlent pas. Ils le nettoient, puis c'est fini. Fait que ça, on le sait pas. Les dommages causés à un bien matériel, on parle pas des véhicules, mais un bien matériel qui sont de l'ordre de moins de 5 000 $ on en a 13 en un an. Et les dommages qui sont matériels de plus de 5 000, c'est zéro. OK. Pourquoi pensez-vous que les ados et les jeunes font du vandalisme? Mais ça, on appelle ça, dans notre jargon à nous, on appelle ça le vide occupationnel. Hein? Je pense qu'on manque de... peut-être, je dirais, d'activité. Hein? Mais pas juste d'activité, comme aussi d'encadrement auprès de ces activités-là. Par rapport à une solution, il y a une école à Audubon Park qui nous ont demandé la semaine passée de venir signer une pétition parce qu'ils veulent... Ils veulent, comme projet, ils veulent faire un mur de graffiti. La cloche est sonnée, donc on va terminer la période comme ça. On a des choses à vous remettre. Sandrine, je pense que tu avais quelque chose aussi pour M. Jean-Marc. Le ski à la menace. Ah! Qui les a fait? Toi? Oui. Ça nous fait comme un choc, là, vu qu'on a choisi un problème que... qu'il est pratiquement pas un gros problème. Ben moi aussi, je suis découragée parce que nos deux personnes ressources ont dit que c'était pas un problème d'ampleur. Levez donc la main ceux qui sont découragés. Nicolas Perrault, pourquoi t'es découragé, toi? Parce que même s'il n'y en a pas beaucoup, ça veut pas dire qu'on peut le régler. Hein. C'est ce que je me dis. Puis, t'as l'impression qu'on... D'après moi, on va pas avoir le temps de le finir à temps. Tu penses? Ouais. C'est correct? T'as plus confiance? Est-ce que c'est normal qu'on ait du découragement? Ben oui, c'est normal. Pourquoi c'est normal, Steve? C'est normal parce que c'est un gros projet. Ouais, c'est sûr que ça va être décourageant, mais si on réussit à le faire, on va être content de l'avoir fait. Puis si on réussit pas, c'est pas grave. On pourra dire au moins on a essayé. Monsieur Jean-Marc, comment il a appelé ça le fait que les jeunes ils étaient dans les parcs, puis ils se réunissaient, puis ils faisaient des niaiseries? Comment il appelait ça? C'était deux mots. V, l'autre commençait par O. Occidental. Vide. Occupationnel. Alec, à cause que peut-être qu'il manque de vie. Manque de vie. Ben, je veux dire, mais si là, c'est à cause que je trouve que le style. Laissez-le parler. Je trouve que le style là, du quartier de l'école, là, ça fait comme plus macabre, je sais pas. Macabre. Tu penses qu'il y aurait matière à faire à rendre le point plus agréable? Ouais, c'est la question. C'est un gros problème, mais à McMaster, c'est un gros problème partout. McMasterville, effectivement,
comme ailleurs, mais je dirais que ce qu'on a remarqué depuis quelques années, il n'y a pas plus de vandalisme, mais le vandalisme est plus sérieux qu'anciennement. Anciennement, les gens faisaient des graffitis, peut-être plus petits maintenant, ils font des graffitis et ils détériorent plus. Maintenant, on se fait mettre le feu dans les modules de parc, on s'est fait mettre le feu dans des écoles, on s'est fait casser des vitres, pratiquement toute une façade d'école au complet. Ça, c'est des actes de vandalisme sérieux, puis qu'on n'avait pas il y a quelques années. Il y a des vagues, il y a des secteurs qu'on dirait qui sont à la mode. Le secteur de Saint-Basile-le-Grand, qui est pourtant une petite ville voisine ici à côté, une petite ville de banlieue, bien tranquille, c'est épouvantable. Il y a beaucoup, beaucoup d'actes de vandalisme dans cette ville-là. Puis des gros actes de vandalisme. J'ai regardé avant de m'en venir, la dernière année scolaire, là, il y a eu environ 200 actes de vandalisme. C'est quel acte de vandalisme que le plus cher que vous avez aménagé dans une école? Ah, les vitres cassées. Les vitres cassées, c'est, je pense, ce qui peut arriver de plus cher. Ça fait pas longtemps, c'est au printemps dernier, à l'école Jacques Rochelot de Saint-Basile-le-Grand. Ils ont cassé les vitres. On les remplaçait, puis ils les recassaient au fur et à mesure. C'est-à-dire que ça a coûté environ, durant cette période-là, presque 40 000 $ juste pour remplacer les vitres. Est-ce que vous savez c'est quoi l'ampleur du vandalisme? Sur une échelle de 1 à 10, là, vous donneriez quoi? Présentement, tu veux dire? Ou est-ce que c'est en croissance? Présentement. Ben, je dirais peut-être un beau 7 000, comme il faut. Moi, là, je suis super contente parce qu'il y a enfin quelqu'un qui a dit que c'était d'ampleur le vandalisme. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y en a qui étaient là la dernière fois, c'est poche, il y a moins une personne. Mais là, faut se remotiver. Là. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était d'ampleur, puis là, on va avoir des choses à faire bientôt. Là. Ouais! On va prouver à M. le maire, là, puis aux policiers, que c'est vrai qu'il y a un réel problème. Salut, ah! Bon. Ouais. Bon commentaire, Sandrine. C'est M. Pierre Curzi. Moi, je vais vous dire, ce qui me frappe, et ça, c'est, je suis étonné, c'est la rigueur de toute votre démarche. Ça, c'est formidable. Nous autres, on est constamment en train de faire des projets qui vont dans différents domaines, politiques, communautaires, culturels. Et honnêtement, là, toute la méthode que vous avez suivie, tout le chemin, tout le parcours, toute la rigueur intellectuelle qu'il y a là-dedans, souvent, dans des grosses organisations comme des partis politiques, on n'est pas aussi rigoureux que ça. Puis moi, je crois à ça. Je crois au fait que quand on suit une méthode très rigoureuse, puis qu'on fait attention à tous les aspects, on construit tranquillement. Puis que c'est comme ça qu'on peut arriver à transformer quelque chose. Alors, c'est formidable. Bravo. On peut faire ça. Hein? Qu'est-ce que vous faites? On a un signe. OK. Vous pourrez l'utiliser à l'Assemblée nationale. OK. La mission? Recherche! Action! Wow, c'est bon! Alors, c'est quoi? C'est recherche, action! Je vous ai demandé en début de semaine de prendre votre lettre que le maire nous a écrite. Cette lettre-là était très gentille. On l'a lue une première fois. Après avoir fait la relecture, on s'est rendu compte, par exemple, que M. le maire était resté peut-être vague à certains niveaux. Qu'est-ce qui fait que tu lis un paragraphe et tu n'as pas l'impression que M. le maire a répondu à notre question? Bien, souvent, les chiffres, là, 30 000 $ les 10 000 $ okay. Il ne dit pas vraiment où qu'il les met. Comme on prend toujours l'exemple du boisier, le 20 000 qu'il avait dit, on ne sait jamais où quitter. Les deux meilleures solutions consisteront toujours à la sensibilisation face au bien d'autrui et à l'éducation. C'est parce qu'il n'en fait pas de sensibilisation. C'est ça. Il dit qu'il faut faire la sensibilisation, il en fait-tu, non? Ou l'éducation? Attends, est-ce que tu t'es renseigné à savoir s'il y en avait ou non? C'est ça qu'on veut savoir plus. Plutôt que de dire qu'il en fait pas, parce que ça, là, tu tombes dans des perceptions, toi aussi, là. Bien, j'ai l'impression qu'il essaie de mettre la faute sur nous, genre. Lui, il est blanc comme neige, genre, puis il peut rien faire pour ça, là, c'est la société, là. OK. T'as l'impression qu'il se désinvestit peut-être un peu? Ouais. OK. Parce qu'il faut pas tomber trop extrême non plus, là. On n'a pas affaire à Darth Vader dans Empire contre-attaque, là. Monsieur le maire, je pense qu'il a beaucoup de bon vouloir. Fait qu'il faut faire attention, ça reste notre partenaire. Mais bon esprit critique. C'est beau? Allons-y.
on va passer équipe par équipe. On va sortir les solutions qu'on a trouvées dans notre document des 8 étapes. Dans l'équipe du boisé, on commence par le boisé. Baliser les sentiers. Le quartier d'école. Un club à dos dans notre quartier. Un mur de graffiti. Faites plus de lumière proche de l'école. Qu'il y ait des rondes policières dans le quartier, là, proche du parc de Beauregard. Qu'ils soient bien nettoyés. Éliminer complètement les traces de graffiti. Ouais. L'équipe du parc ensoleillé. Un mur d'expression. Rajouter des lampadaires. Faire une corvée de nettoyage. Nouveau développement. Plus d'activités pour les jeunes. Mur d'expression. Près du terrain de volleyball. On continue après la récré. C'est beau? Il y aura toujours des coins sombres, il y aura toujours des coins éclairés, puis il y aura toujours du vandalisme. Est-ce que d'augmenter la lumière autour de l'école risque de diminuer les marques de vandalisme à l'école? Si le quartier de l'école s'est attardé à ça, puis toi, Annabelle, t'es dans le quartier de l'école, donc t'es arrivé avec ces solutions-là, là, t'es en train de changer ton fusil d'épaule. Si on les enlève, les graffitis, ils vont en remettre d'autres sans que ça change rien. Là, moi, ce que je vois, là, avant tout, c'est que vous êtes plus vraiment concentré sur l'affaire, là. Ce que vous me dites, c'est que dans le fond, on laisse ça comme c'est là et ça va réduire le vandalisme. Est-ce qu'on les enlève, les marques, ou non? Est-ce qu'on demande de les enlever ou non? Il faudrait pas qu'on mette des comptes de ceux-là qu'on veut vraiment faire parce que là, on n'aura jamais le temps de tout faire. C'est ce qu'on fait après. Non, parfait. Attends, on va demander à Nick Perrault. Nick Perrault, es-tu motivé? Oui, c'est bon. Bienvenue, parfait. OK, c'est parti. OK, go. OK, go. Go. T'as peur de quoi? De rien. Tu penses que je vais te faire chicaner? Non. OK. Dis-moi donc ce que tu m'as écrit. Cependant, je crois que mes copiers pensent que je me suis pas assez autonome, mais quand je fais... Quand je sais quoi faire, je le fais. En classe, je devrais être plus attentive. Moi, j'ai écrit, Camille, ta timidité a fait en sorte que certains pensent que tu n'as rien à apporter à l'équipe. Et moi, je te dis que c'est faux. Ce qui arrive, c'est que tu penses que t'es pas intéressante, peut-être, aux yeux des autres. Parce que tu me l'as déjà signifié, ça. Mais je pense que c'est faux. Puis une chance que t'es dans cette équipe-là. Parce que ça roulerait pas comme ça roule là. Mais il va falloir que tu changes ta perception. Toi, t'es une fille gentille, intelligente. T'as plein de choses à apporter à ton équipe. Que ce soit en recherche-action ou dans d'autres sphères. Au niveau des amitiés aussi. Il faut que tu commences à t'aimer parce que t'es... T'as tout ce qu'il faut pour t'aimer. OK? Parce que là, on rentre dans la phase qui va vous rapporter le plus de fierté. Puis moi, j'aimerais ça voir qu'Annabelle, elle se tient debout, puis elle montre qu'elle a le goût que ce projet-là fonctionne bien, mais pas juste une fois sur deux, ou une fois sur trois, ou quand ça y tente. Tu comprends? Mm-hmm. Puis ça va nous aider à avoir du succès, parce que t'es une grande gueule, puis on en a besoin. Okay. Mais de bonne façon. Tu comprends? Okay. D'une bonne façon. Puis je dois dire que je te remercie pour ça. OK. Parce que c'est rare que je reçois des compliments de ma Annabelle, mais ça montre que on a quand même du bon temps. OK. Chers parents, comme vous savez ça, toutes les prochaines recherches actions occupent une grande place dans notre classe cette année. Nous avons à élaborer notre plan d'action suite aux solutions que nous avons trouvées par les enfants. Et c'est là que je souhaite avoir votre appui. J'aimerais connaître vos talents. Pour que ce projet soit un succès, il est impensable d'avancer sans vous. On a plusieurs solutions. Je pense que pour être efficace, il va falloir qu'on regroupe. Et ça, peu importe le quartier. Trois par équipe. Un groupe de trois. Est-ce qu'on est prête à s'inscrire tout de suite? Oui! Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que ça aille vite. Moi, j'ai l'idée qu'à tour de rôle, on dit tout ce qu'on veut faire sans être nécessairement dedans. Vous marquez notre nom, où est-ce qu'on veut être, puis après ça, vous nous pigez. Quand on pige, ben vous regardez où c'est qui est notre nom, vous vous encerclez. Quand il y en a trop dans une équipe, vous demandez où c'est qu'elle veut être. Petit brin, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Qu'est-ce que tu voulais faire, Guillaume? Le bandeau. Ferme la porte en dresse, on va se parler. Là, Guillaume, tu vas te relever, parce que t'es pas en première année, là, puis tu vas nous dire ce qui marche pas. Parle-nous. C'est juste que là, j'avais choisi Club Ado que... Là, enlève ta main. Là, regarde-moi, puis parle-moi. On a personne de choqué. Oui. Là, maintenant, c'était pas dans tes intérêts, fait que t'es déçu. Mm. C'est quoi ce que tu voudrais? Tu voudrais que je prenne ton nom, je le mette dans Club Ado.
Est-ce qu'il y a quelqu'un du club ado qui est prêt à changer d'équipe? Vous n'êtes pas obligé. Si vous avez le goût, dites-le. Sinon, ça reste comme ça. Camille, ça te dérange pas? Bonne main d'applaudissement, Camille. La plupart des parents s'engagent à venir donner du temps pour la corvée. J'ai un autre parent. En voyant son commentaire, c'est un peu le rêve d'une conversation que j'aimerais avoir avec tous les parents de mes élèves, c'est-à-dire de parler d'égal à égal puis être capable de se dire des vraies affaires. Il me dit, je vous le cite là, parce que je trouve bien, « Pour le mur de graffiti, environ 300$ pour monter un mur double, 2-4 par 8 d'épais, ancré dans le sol de façon sécuritaire. Pour la main d'œuvre, 3 ou 4 papins un samedi, le tour est joué. » Ça, j'ai bien, bien, bien aimé. Mais j'ai reçu des feuilles qui étaient tout simplement signées. Il y en a qui m'ont pas remis la feuille parce que les parents ont dit, « Mais moi, j'ai pas vraiment de temps. » Ils ont d'autres chats à fouetter. Fait que t'es compréhensif. Aimerais-tu ça, par exemple, qui s'intéresse? Non. Non? Pourquoi? Parce que, genre, je sais pas, j'aime pas ça voir mes parents trop impliqués dans un projet parce que quand ils sont impliqués, ils sont vraiment impliqués et c'est vraiment gossant. Ah, OK. Wow! Mesdames, messieurs, bienvenue chez nous, chez vous. Ça me fait plaisir de vous recevoir dans notre hôtel de ville. Bonjour à tous. Bonjour. Suite aux rencontres que nous avons faites avec vous, monsieur le maire, nous avons eu des questions en suspens, sans réponse. Est-ce que vous avez sensibilisé les gens face au vandalisme? Si j'ai? Sensibilisé les gens face au vandalisme? Absolument. Ah oui. Dans le Bec-Marceau-Villois, oui, on a fait de la sensibilisation, okay. Effectivement, puis on en fait régulièrement. Une de nos solutions est d'aménager le petit boisé du ruisseau Bernard. Repeindre le petit pont en métal, mettre de la poussière de roche dans le sentier principal, aux endroits boueux. Aussi, il faudrait mettre des poteaux de signalisation pour pas qu'on se perde. On a eu deux idées de construire le mur de graffiti. Ça serait la première idée de le faire en ciment. Puis la deuxième idée de le faire en bois. Le mur de ciment serait plus cher, mais la durabilité serait plus longue que le mur de bois. Ma solution, c'est l'éclairage. Et on a deux zones à cibler, le parc Denis Beauregard et le parc ensoleillé près des tables à pique-nique. Tout ça, ça nous coûterait 994$ pour un lampadaire, donc 1474$ pour nos deux lampadaires. OK. Premièrement, Monsieur Plante, vous nous avez écrit une lettre. Puis dans cette lettre, vous nous avez dit que vous alliez investir de l'argent dans la corvée nettoyage. On aurait aimé savoir ça représente combien d'argent. On peut parler d'une coupe de 1 000$. Avec mon équipe, on veut faire une assemblée générale pour, comme on fait aujourd'hui, vous présenter nos solutions. Aujourd'hui, on vous les présente en avance pour pas que vous sachiez pas trop quoi dire puis que vous avez d'argent. Ouais, c'est ça. Vous nous avez dit dans votre lettre, vous alliez effacer les traces de vandalisme et graffiti qui enlaidissent nos équipements et bâtiments publics. Nous aimerions que vous vous engagiez à le faire le plus tôt possible. Vous nous donnez jusqu'à quand? Demain. Ce qu'on voulait, c'est que vous soyez capable de nous dire une date que vous jugez pour vous raisonnable. Ça va être plus concret pour nous après. Vous content, la gang? Oui! C'est très motivant pour eux, puis pour moi aussi. Bien, nous aussi, vous allez faire la job, on est assez contents. Oui, ouais, c'est nous qui travaillons maintenant. C'est moi. Parfait. Bonjour. Ouais, moi, je m'appelle David Bissonnette. Et ma classe et moi, on fait un projet communautaire. C'est pour régler pour éliminer les traces de vandalisme dans McMasterville. Puis une de nos solutions, c'est de faire un mur d'expression en ciment.
C'est pour que les jeunes puissent s'exprimer en faisant des graffitis. On aimerait ça savoir combien ça coûterait faire une fondation pour un mur de 5 pieds de haut par 8 pieds de long. Bonjour. Bonjour. Monsieur Bissonnette. Ouais. Bonjour. Kim Brouwer, Mini Excavation. Merci. Fait que je vais te laisser ça comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu avais à faire exactement? Quoi? Qu'est-ce que tu avais à faire comme travaux? On voulait construire un mur de graffiti. Okay. Que les jeunes puissent s'exprimer. OK. Moi, je vais te faire une soumission. Fait que je vais tout te marquer dans la soumission ce que je fais. Comment je le fais, en fait, les matériaux que j'utilise. Puis après ça, je te l'envoie. Est-ce que c'est correct pour, ouais, c'est correct pour vous autres? Oui, c'est correct. OK. Bon, ben parfait. Fait que moi, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Merci. Puis je vous prépare ça. C'est beau? Oui. Merci. Bonjour. Merci. À la prochaine. Est-ce qu'on pourrait parler au gérant? Oui, juste un instant, je vais aller chercher. On est des élèves de l'école La Farandole en 6e année. Oui. Puis on fait un projet pour diminuer le vandalisme dans McMasterville. Notre projet, on a 8 solutions, mais il nous manque quand même du financement. Donc, on se demandait si... C'est pour le financement que vous venez me voir. C'est ça? Oui. Est-ce que je peux voir? Avez-vous un petit... Oui, on a une liste de matériel. Une liste de matériel? Et on l'a donné. Merci. Alors, parmi votre liste de matériel, vous avez besoin d'une table à pique-nique. Ouais, ouais. De deux bancs. Ouais. Des bancs de... De parc. Quatre poubelles. Ouais, ouais. Deux bancs et quatre poubelles. On va en avoir des déchets là-bas? Ouais, vraiment, c'est... OK. Bien, c'est sûr que je vais vous aider. OK, merci. Ça va être un des items en haut et probablement, ça va être les deux bancs de parc. Mais merci. Je vais vous le confirmer un petit peu plus tard. OK, merci. C'est où tu veux les installer, aux intersections de sentier? Ouais, comme des intersections de sentier ou les sorties, tout ça. Est-ce que ça coûte très cher, les poteaux, tout ça? Non, c'est très... Ça dépend toujours. Ce que... Si tu veux les faire en or, c'est sûr qu'ils vont coûter cher, hein? Mais on peut les faire en acier, en tube, ouais, avec un peu de ciment. Non, ça coûterait pas si cher que ça, vraiment pas. T'aurais-tu un prix? Environ 35-40 $ chaque, on devrait être bon pour faire des beaux poteaux. On va regarder. Ça peut être moins cher aussi, mais comment... Ouais, combien ça va en prendre, environ? C'est ça. Est-ce que tu serais d'accord pour vous aider dans le projet? Oui, pas de problème. Je peux te les fabriquer. Tes poteaux? Bon. Là, je dis ça. Ouais. Installation d'un mur de béton. 5 pieds par 8 pieds. Par 6 pouces. 6 pouces. Hein? Oui, c'est exactement. Ouais. C'est ça. Hein? Comment ça coûte, cette histoire-là? 922 000. Tape! Hein? Oui. Hein? Comment t'as dit ça? Elle a dit table. Table. T'as dit table. Hein? C'est table. Ça que je disais? Table à nouche. Combien? 3 922 et 41 sous. Vous êtes déprimé? Non, moi, oui. Ça ne vous prend pas grand-chose? Je vais pas passer... Ben là, au moins, on sait combien... Des on n'est pas déprimé. Ben là, on sait combien ça coûte. On sait qu'on a une dépense de plus. David, veux-tu appeler? Non! Qu'est-ce que je dis? Tu vois, qu'est-ce qu'on dit? Bonjour, Mme Kim Lodard. On a reçu votre soumission. On va la présenter aux partenaires, puis là, tu pourrais dire, on va essayer de trouver quelqu'un pour nous aider à payer cette facture-là. Ouf. Bonjour, Kim Brouwer. C'est David Bissonnette pour le mur de graffiti. Je voulais juste vous dire qu'on a reçu votre soumission. On vous remercie pour ce court délai. On vous invite à notre assemblée le 11 mai à 19 h. À la mairie de McMasterville. Bonsoir. Le problème, c'est qu'au début de l'année, nous avons observé des marques de vandalisme qui enlaidissait les parcs de la ville. Lors des observations de notre milieu, ces marques nous ont tellement marqués que nous avons décidé d'en faire notre projet.
Merci. Bonjour à tous. La solution que nous avons eu à traiter est d'organiser et de faire une cave nettoyage au parc du Ruisseau Bernard. Nous pensons que ce n'est pas seulement un endroit qui est un lieu de rencontre pour les adolescents, mais bien un lieu paisible pour la famille pour les familles de notre communauté. Cette corvée se passera le samedi 30 mai de 9h à midi. Nous vous invitons en grand nombre. Bonjour, chers partenaires et chers citoyens. Une de nos pistes de solution est de faire un mur d'expression à cause du manque d'expression des jeunes. Le mur d'expression sert que les jeunes peuvent s'exprimer d'une autre manière que sur les modules de jeu, les poubelles et puis les maisons privées. Bonjour. Depuis le début de septembre, nous avions pensé à faire un mur d'expression dans notre ville touchée par le vandalisme. Nous nous sommes renseignés sur le prix de nos deux possibilités de mur, bois et ciment. Pour notre piste de solution, nous avons rencontré quelques partenaires comme Kim Brawler, secrétaire de la compagnie Mini Excavation. Nous avons aussi rencontré M. le maire pour présenter notre solution du mur. OK. Nous croyons que le vandalisme est causé par le manque d'activité à McMasterville. Donc, en ouvrant le club ado plus longtemps, les jeunes s'occuperaient plus au lieu de flâner dans les parcs. Bonjour, notre solution consiste à augmenter l'éclairage dans les parcs et sur notre école. Nous voulons améliorer la luminosité parce que 92% des graffitis sont faits dans la noirceur. Nous aimerions réparer les lampadaires brisés au parc de Nîmes-Beauregard et ajouter des lampadaires au parc ensoleillé. Pour finir, nous avons pensé réparer les lumières sur les murs de notre école. Ça ferait un total d'à peu près 2 000 $ pour les deux parcs que nous voulons améliorer l'éclairage. Merci. Donc, comme vous avez pu voir, les enfants ont travaillé très fort et ont fait leurs devoirs. Maintenant, je donnerai la parole aux partenaires. Peut-être que je pourrais commencer par inviter M. le maire, parce qu'on s'est déjà rencontrés et je sais que vous vous êtes préparé avec votre conseil. On disait que les enfants étaient fébriles tantôt. Moi, je suis autant qu'eux, parce qu'une assemblée publique comme ça, j'ai jamais eu ça. Fait que ça m'énerve un petit peu, là. Je suis fébrile, moi, avec. Il n'y a pas d'erreur. Bien, moi, c'est bien sûr, comme maire de la municipalité, ça me fait chaud au cœur de voir ce projet-là, puis on va vous encourager au maximum, comme je dis tantôt, dans les moyens qu'on a. Monsieur le Duc, merci beaucoup. C'est très apprécié de la part de la Ville. On va être le partenaire privilégié, soyez-en assuré. Merci. Moi, je suis la directrice à l'école La Farandole et je suis très fière de nos élèves qui sont vos enfants. Pour l'éclairage autour de l'école, je vais faire des demandes pour que les ressources matérielles viennent réparer nos luminaires. Moi, c'est Kim, en fait, mini-excavation. Je pensais vraiment pas parler au micro ce soir, là. Moi, je trouve ça super beau de vous voir aller. Fait que, ben moi, je vous donne un mur. Juste à décider où vous le voulez, quand vous le voulez, puis c'est de même, ça va fonctionner. Mais moi, je suis juste la sœur de Maude, là, j'ai juste aussi là. Puis bien, j'ai été dans la classe à M. Dominique. Puis que ma soeur, elle arrive le soir, puis elle arrive, elle me dit, j'ai passé une belle journée parce que j'étais avec M. Dominique, puis je connais tous ses amis, puis ses amis, ils m'en parlent toujours avec ma soeur. Ils viennent chez nous, puis ils me parlent de tout ce projet-là, puis toute cette gang-là, c'est tout pogné ensemble, puis ben vous allez aller loin. Je suis tombée sous le charme. Je vous ai offert 2 bancs comme ça. Et je double la mise. Je vous en offre 2 autres ce soir.
suis Claude Poudrier. Je mène le projet en éducation à l'environnement et citoyenneté avec le modèle pédagogique de la recherche-action dont il est question ce soir. Donc, on le mène dans plusieurs régions au Québec, dont ici. Mais ce que je veux vous dire, premièrement, mes mots aux élèves et à M. Dominique. Moi aussi, je suis ému. Vous savez, il y a des moments magiques en éducation. Et ce soir, c'est vraiment un grand moment magique. Merci, Dominique, pour ton courage, persévérance, ton esprit critique que tu as pu transmettre aux enfants. L'esprit critique... Il va revenir. On va s'en remettre, parce que moi aussi, il faut que je m'en remette, alors. On va s'en remettre. Si les enfants sont capables de le faire, je pense qu'ils nous donnent un peu l'exemple. Je pense qu'ils nous donnent le goût de nous engager. Alors, je vous félicite. Bravo, et bravo, Dominique, aussi. Bravo. On a vraiment travaillé fort, c'est quoi? Je m'excuse. Je veux surtout vous féliciter, les élèves, puis je suis vraiment fier de vous autres. Ils grandissent, sont perspicaces, ils ont un esprit critique. En même temps, c'est pas des élèves parfaits, ça, je peux vous le dire. Mais s'ils sont capables de vous faire des pitchs de vente comme ils vous ont fait ce soir, imaginez comment moi j'ai eu à... C'est dans la classe, je dis souvent que je suis le roi de la classe, mais cette année, j'avais comme une cohorte en entre de moi qui me disait comment rouler dans ma classe. Puis, ben, merci d'être là ce soir. Je suis très fatiguée. J'ai bien aimé ça. Ben, c'était le fun, mais en même temps, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé. Je sais pas. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, mais j'ai aimé les commentaires d'Imer puis de tous les partenaires. Là. OK. Je trouve qu'ils nous ont beaucoup aidés. Réussir à venir parler devant tout le monde. Ben... T'as fessé? Mm-hmm. Hier, t'étais-tu fière de toi quand t'es arrivé chez vous? Ouais. Ben, moi, il y a une chose qu'on regarde, moi. À la place de dire excrément, je dis excrément. Ouais. Ben, ouais, ça avait de l'allure parce que. Ah oui, excrément de joie, Guy. Hey, Samuel, t'as bien fait ça. Vraiment, là. J'avais un peu le trac, mais. Ça a super bien été. Pas mal d'applaudissements pour ça. Comment tu fais, là, après, pendant que t'avais la face dans le lunch, là? T'avais 4-5 biscuits dans les mains. Moi, j'ai parlé avec ta mère et ton père. Hein? Tu sais que tes parents, ils sont fiers de toi. Hein? Tu sais que... Bon. Mon père, il était fatigué de me dire qu'on était bon. Ah? Je suis allée me coucher. J'étais vraiment tannée de l'entendre. Des beaux commentaires. C'est parce que dans l'auto, il était là. Vous avez du professionnalisme. Vous êtes super bon. Votre projet, c'est un super de beau projet. OK, c'est beau. J'en ai entendu. Hein? On est genre fiers de nous. Puis on s'aime. Là. Ça paraît, hier, on était genre tout ensemble. Puis on s'aimait. Là. Parce qu'on était une famille. On a à peu près eu 150% parce qu'on a eu plus d'affaires. Le mur qu'ils nous donnent, deux nouveaux bancs. On va falloir faire le décompte des bancs. Oui, on est rendu à 7. On va falloir revoir aussi qu'est-ce qu'on fait avec ces bancs-là, où on les met. Parce que M. le maire a peur qu'ils se fassent briser, donc il va peut-être falloir revenir avec ça. Là. Ça sera à discuter. Donc, vous tenez à ce que les bancs soient dans le boisé? Oui. Ouais. Puis ils vont y aller dans le boisé. On va se battre. OK. Oui, je suis intervenu entre l'Assemblée et la présentation des solutions la première fois. J'ai essayé de voir avec le maire et son conseil municipal, Madame la directrice générale, comment on pouvait coordonner ça. Et je voulais aussi les préparer, un peu faciliter la tâche de sorte que ça se passe mieux et surtout qu'il y ait des réponses à donner lors de l'Assemblée. Je portais à dire que si c'est à refaire, je ne m'impliquerai pas. Je vais y aller par les enfants. Parce que ce qui est arrivé, c'est que je me suis pris un peu d'empowerment quand, dans le fond, c'est les enfants qui doivent avoir l'empowerment. C'est pas l'enseignant. C'est là, on a pour la mettre en haut pour
C'est bon? Ouais, hey, yes, je le garde avec mes doigts. Attends, là, je vais l'avancer. Ça, là. Okay. Okay, allez-y. Okay. OK. Là, faut pas le visser trop fort, OK? Il va visser à vide. C'est bon? Lâche-moi, lâche-moi. Le truc est trop fort. Vous l'avez vraiment crushé. Non, faut que tu continues, Nick. Vous êtes tourné, là? Tu continues, Nick. Non, on le met à devant. Ah, tu brin! Non. Tu brin, faut mettre un rond. Tasse-toi, Sam. Faut que tu tasses toi. Nick, chante les frites à volonté. Y'a du poulet frit à dévorer. C'est le paradis des matières grasses. Tout le monde aime PFK. Merci. Ah, ben, ça me fait plaisir. Merci à vous autres. Hein? C'est un beau projet. Vous avez réussi. Merci. Je vais vous présenter des gens. Moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Lynn Saveria, je suis directrice générale de la municipalité de McMasterville. Pour travailler avec vous et faire un beau partenariat, il y a une équipe qui s'est jointe à moi. Naturellement, on a les membres du conseil. Il y a M. Gilles Plantemar qui est avec nous. Ici, levez la main. Mme Danielle Neuilly. Premièrement, je m'appelle Pierre-Luc. Oui, okay. Pierre-Luc. Monsieur, j'étais à Farandole. Passé par la sixième année. Ah! Oh. Fait que deux sacs, deux pelles. C'est bon. Parfait. Cap de bras. Fait qu'on part? Oui. N'oublie pas vos gants, manches longues. Okay. Raphaël, tu fais ça, regarde. Si jamais vous trouvez des seringues, vous m'appelez. Moi, je vais les récupérer. Parce que c'est moi le responsable pour ça. Je vais mettre ça dans la boîte ici. Et ça, ça s'en va à l'hôpital Charles-Lemoyne. Ça va être traité et mis en sécurité. OK, amène une pelle, s'il vous plaît. Une pelle, s'il vous plaît. Parce que ça l'aide de la terre. C'est de la terre, c'est dramatique. C'est de la terre, parce qu'on va se ramasser dans le sud. Quoi, tu brins? C'est des verres, c'est des tailles petites. C'est quand qu'on va aller dans le boisé avec vous pour décider l'emplacement des bancs? Dans deux semaines à peu près. Es-tu trop tard? Sur le chemin principal, il y a... Dans le sentier principal, ouais, du boisé? Ouais. Okay, ouais. Il y a un pont, puis on aimerait savoir si vous vouliez l'enlever parce qu'il est, tout brisé. Et dans ce cas-ci, vu qu'il y a des blocs qui sont déplacés, il faut passer par le ministère de l'Environnement. Puis le ministère de l'Environnement, bien, c'est lui qui va nous donner un certificat d'autorisation ou pas. Puis s'ils nous disent non, on enlève le pont, puis il n'y aura plus. Mais on va faire les démarches pour avoir le certificat d'autorisation. C'est clair, on a les sous pour mettre un pont neuf, là. Quand est-ce que vous allez installer les lumières au parc de Nîmes-Beauregard? Le parc de Nîmes-Beauregard... À côté de Oui, je sais. Non, c'est parce que... j'aime pas ça, mettre des échéances comme ça serrées dans le courant de l'été. Est-ce que vous auriez une date ou est-ce que durant l'automne, on pourrait venir pour faire le suivi du plan d'action? Oui. Pour l'éclairage? Ouais, mais pour venir vérifier toutes les solutions qu'on a... Ah, bien, à votre discrétion. Moi, cet automne, on pourra faire le tour. OK. Mais attendez-vous pas que ce soit tout fait. OK. Je vous le dis d'avance, là.
là. Je les ai siphonnés. C'est pour ça que là, ils sont fatigués. Plus sont que fatigués. Je pense, ah ça. Oui. J'ai été exigeant avec eux autres. J'ai jamais été exigeant comme ça avec des enfants. Ils m'ont vraiment donné le plus qu'ils pouvaient, mais là, je les sens fatigués. Puis je pense qu'ils sont dus pour un repos bien mérité. Mm-hmm. Le prof aussi, je pense. Hein? Le prof aussi, oui. Bien, on a fait une belle job. La question que je me pose réellement, c'est si on a réussi le projet. Parce que sérieusement, ouais. Notre problématique, c'était le vandalisme. Est-ce qu'on a réussi à régler le vandalisme? Vous l'avez dit, ça se peut que ça prenne un peu plus de temps avant que les résultats se voient. Il faut attendre que les graffitis soient ôtés pour voir s'il y en a qui vont en refaire d'autres. Par rapport à ça, à Montréal, ils ont fait une étude que lorsque les graffitis sont enlevés, il y a juste 15 % de récidive. Fait que c'est quand même une amélioration. Je commence par vous présenter M. Andrés Alfaro. Alias Bella! Hey, Andrés! Andrés, fidèle à toi-même. T'as oublié quelque chose? Tiens, mon gars. Bye-bye, bonne chance. On l'applaudit! On continue avec Sandrine Dupont, alias Princess! Bonne chance au secondaire. Officiellement la plus grande de l'école, Annabelle Lamoureux, alias Torpille. C'est beau, ma belle Annabelle. Bye-bye, bonne chance. Notre mascotte nationale, Tibrin. Plusieurs personnes le connaissent plus en tant que Tibrin qu'en tant que Guillaume le Duc Lavigne. Un bon applaudissement. C'est beau, mon Tibrin. Bonne chance, mon homme. Vers quel avenir s'élancent ces enfants? Est-il raisonnable de croire que cette génération saura confronter l'impasse qui menace l'humanité? Et que nous saurons, nous, commencer le travail? Ce film a voulu très fort l'espérer.